Hey, salut à tous, c'est Drysor, j'espère que vous allez tous très très bien les amis. Écoutez, pour ma part, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau commentaire concocté par moi-même pour la Obscure. Et aujourd'hui les gars, j'ai une info, plus précisément un screen concernant les armes du marché noir. Avant d'entamer le sujet, laissez-moi juste vous présenter le gameplay qui est un 52 Gangstreak sur Knockdown à la KN44, le tout réalisé par Heroes. Du coup, le petit like et le petit commentaire pour le féliciter, c'est gratuit et ça prend 2 secondes. Et c'est parti pour entamer le sujet. Aujourd'hui les gars, j'ai un screen qui pourrait intéresser plus d'un d'entre vous, car c'est un screen sur lequel il est écrit des armes du marché noir sorties jusqu'à présent, telles que la hache ou la batte de baseball. Mais lorsqu'on regarde un peu plus en bas, on peut apercevoir qu'il y est écrit Ballistic Knife et Chainsaw, dont je m'excuse pour mon accent anglais qui est totalement dégueulasse, et ces deux mots en anglais veulent dire couteau balistique et tronçonneuse. Donc je pense qu'on peut en conclure tous ensemble que le couteau balistique ainsi que la tronçonneuse arriveront sur Black Ops 3 avant la sortie d'Infinite Warfare. J'ai oublié aussi de vous dire que ce screen a été présenté maintes et maintes fois sur plusieurs chaînes avant que les variantes d'armes sortent officiellement, ce qui veut dire que ce n'est pas une info officielle et c'est donc un leak à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, ce screen a été véridique pour l'instant car les armes sont sorties officiellement par la suite. Pour ma part, ça me ferait extrêmement plaisir de retrouver des couteaux balistiques sur Black Ops 3 et voir une tronçonneuse débarquer, ça serait vraiment encore plus fou. N'hésitez pas à me faire part de vos avis sur ce screen et la possible arrivée du couteau balistique et la tronçonneuse, ça m'intéresserait fortement. Et puis voilà, cette courte vidéo va prendre fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like qui fait toujours plaisir, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à l'Obscure et activer les notifications, comme ça vous serez au courant dès qu'on sort une nouvelle vidéo. La chaîne du player ainsi que la mienne seront en description, allez-y faire un tour, ça serait vraiment sympa de votre part. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, ciao ciao, peace out les gens, c'était Drysor.